Bonjour Alex, j'ai une mauvaise nouvelle. Tes tests en gain révèlent une présence de HIV. Tu es séropositif. C'est toujours pareil. J'arrête pas de me dire qu'il faudrait que j'arrête ce taf. Mais bon. Merci, mon peu. T'avances, tu fais, tu bouges. Et surtout, tu réfléchis pas. C'est facile. Pratique. Mes parents voyaient en moi quelqu'un de parfait, brillant à l'école, doué dans tous les domaines. À en arriver là, avoir une fille, faire du strip, c'est intolérable pour eux. Tu sais, aujourd'hui, j'ai plaqué tous mes idéaux. J'ai franchi mes limites. Ça veut peut-être rien dire pour toi, mais moi. C'est un test étrange de tout renier. Je crois que c'est une épreuve dans la vie d'aujourd'hui qu'il fallait surmonter. Et c'est fait. Ouais, c'est toujours pareil, à force d'aller vite, tu finis par plus rencontrer personne. Enfin, pour ça, c'est bizarre de me retrouver là, allongée et tout. Mais bon, je profite, quoi. Je sais pas si ça va durer, je profite. On verra bien. On verra bien.
C'est marrant, quand je te regarde dans les yeux, je vois rien, j'arrive pas à te cerner, quoi. J'irais pas jusqu'à dire que t'as le regard vide, mais... Ouais, si, si, enfin... Voilà, il y a quelque chose comme ça, quoi. J'ai l'impression que t'as le regard vide. Les gens ont peur de moi. Ils s'imaginent qu'en un regard, je vais foutre en l'air leur putain d'existence. Seigneur, je suis pas comme ça. Que je connais même pas ton nom. C'est dingue cette confiance la première fois. J'aurais jamais cru faire ça un jour. En tout cas, ça m'a plu. C'est un fantasme. Je lis dans tes yeux. Il y a des regards qui ne trompent pas. Au moins, on aura partagé quelque chose. Ça signifie que tu seras positif dans ta vie. Je rêve de maison, je rêve de mes futurs enfants aussi. Le problème, c'est la réalité. Tout est tellement sombre, chaotique. Dans mes rêves, je pleure. Je vis. Vous en faites une tête, il y a un problème ? Je vous ai jamais vu dans un tel état. Qu'est-ce qui se passe ?